Eh, vous avez passé un bon week-end ? Pas trop dur la reprise ? Allez, je sais que vous êtes encore en train d'émerger, alors suivez-moi, on va prendre une pause café. La nouvelle du jour, c'est le studio Guerrilla qui fait ses emplettes directement chez les développeurs de Rainbow Six Siege. De ce que l'on sait, ce sont 6 anciens du FPS compétitif d'Ubisoft qui ont déjà rejoint les rangs de l'équipe derrière Horizon Zero Dawn et les Killzone. Dans le paquet, il y a tout de même l'ancien game director de Rainbow Six Siege, Simon Larouche, mais aussi Chris Lee, spécialiste du multi en ligne. Avec un peu d'imagination, cela laisse présager d'une direction pour leur prochain titre, qui jusqu'ici est encore top secret. Ce qui est sûr, c'est que Guerrilla a un tout nouveau statut depuis la sortie de Horizon Zero Dawn, à tel point que leur prochain titre sera forcément très attendu par les joueurs. Espérons que le studio réagisse bien à la pression et tienne ses promesses. Et hey, regardez, on retrouve notre Jay qui est en train de jouer à WWE 2K19. 2K19, donc ouais. La nouvelle itération annuelle de la fameuse licence de catch, l'organisation américaine. Yeah. Et c'était cette année pas mal de contenu, des retours aussi de modes que les gens attendaient pas mal. D'accord. Du coup, le test devrait paraître milieu de semaine, fin de semaine sur JV. Eh bon, on attend ça. Voilà. En fin de semaine dernière, Reggie fils aimé est une nouvelle fois revenu sur le chat vocal de la Switch, un sujet fort délicat. En effet, pour rappel, il faut passer par une appli mobile, et donc un téléphone, si vous voulez parler avec d'autres joueurs en jouant à vos jeux Switch. Si ce passage obligatoire par un périphérique n'est pas au goût de tous, voire au goût de personne, le patron de Nintendo of America persiste en expliquant que Nintendo aime bien faire les choses différemment et que tout le monde a un mobile sur lui. Mouais, pas sûr que ces explications soient bien prises par les joueurs, qui se doutent que les capacités techniques de la Switch, y compris en termes de bande passante et de batterie, ont pu jouer dans cette décision. Et vous justement, vous pensez que c'est pénible de passer par un téléphone portable ou ça vous va comme ça ? Alors si vous voulez voir un petit peu les systèmes MacGyver qu'on a ici, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire, mon cher ? Je suis en train de me faire un pare-soleil modulable avec des cartons de cracou parce que j'ai le soleil oui, dans la tronche, voilà. Et on n'a pas de rideau occultant. Donc tu le prends pleine tronche, voilà, c'est ça ? Je le prends pleine tronche et je module, tu vois. C'est beau. Store, et du coup, là c'est bon, je peux travailler tranquillement. Ah, bravo. Enfin, une fois n'est pas coutume, on finit par une information interne qui a de fortes chances de vous intéresser. En effet, jeuxvideo.com est heureux de vous annoncer la naissance d'un nouveau format appelé Vidéo Preview. Le principe, de courtes vidéos de 3 minutes en moyenne basées sur nos impressions images à l'appui sur des titres à venir auxquels nous aurons eu accès en avance. Rassurez-vous, les aperçus écrits ne disparaissent pas pour autant. Avec ces vidéos preview, on espère vous offrir une nouvelle façon de vous informer sur des titres précis tout en mettant en image ce à quoi nous avons pu assister. Plusieurs vidéos previews sont déjà disponibles sur le site, dont celle de Fallout 76, toute fraîche. Si vous avez déjà vu des vidéos tests, vous avez déjà une belle idée du résultat, mais n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et pour finir en bonus, une vidéo de Yakuza Kiwami 2 dans laquelle un voyou préfère rentrer dans les rangs en voyant le héros péter une vitre avec son poing. Efficace. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle pause café.